Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce livre, La tombe du pêcheur, de John O'Neill, le sous-titre étant L'extraordinaire enquête sur la découverte archéologique du tombeau de Saint-Pierre. Comme le dit ce sous-titre, c'est l'aventure de 75-80 années de recherche des reliques de Saint-Pierre sous la basilique Saint-Pierre de Rome. L'auteur nous présente d'abord les personnages, les protagonistes de ces recherches archéologiques au niveau des décideurs financiers et archéologues. Il nous présente aussi le contexte dans lequel Saint-Pierre est mort au niveau historique, le contexte du début des fouilles, la Deuxième Guerre mondiale, l'après-guerre. Il nous présente aussi, pour mieux comprendre, les lieux par différents croquis, qui nous permet de situer où se situent les différents lieux archéologiques sous la basilique Saint-Pierre. C'est écrit comme une véritable enquête, c'est haletant, avec les rebondissements des personnages comme Pie XII, le cardinal Montigny, les archéologues Bérois ou Marguerite Guardicini. Vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment un voyage dans le temps, de l'Antiquité à nos jours, jusqu'au pape François quand il remet ses reliques de Saint-Pierre dans la basilique.